monsieur, bonsoir. Nous, en Angleterre, nous connaissons que sur ces 5 à 10 dernières années, Haïtiens pratiquement ont jeté un peu partout à travers le monde. Et il y a un peu le côté que nous envahis, tant que Chili, le Brésil, les États-Unis, n'en parlons pas, surtout avec le plan Biden. Mais qui ça Haïtien a pris dans tout le côté ça? Haïtien a pris légalement au niveau de la Turquie. Donc là, nous en Angleterre, pour diverses raisons. Une raison, c'est chercher du toit haïtien, pareil nous, et puis garder qui j'ai intégration au niveau de l'Angleterre. Et qui j'ai professionnellement ça a réglé. Et puis deuxième aspect à tout, à travers reportage ça, ou bien mini-documentaire, ou quand même j'en deuxième aspect à tout, c'est chercher qu'on ait qui possibilité qu'il y ait pour culture haïtienne dans bon ici. Notamment, est-ce que qu'on peut dire que là, il y a une chance pour d'arriver nos places au niveau de l'Angleterre. Londres, que nous y est pour le présent moment, c'est une ville cosmopolite, mais l'Angleterre d'une manière générale très cosmopolite. Ça veut dire que c'est le côté qui ouvre à d'autres cultures. Donc, l'État supposé au marché potentiel, là, on a parlé de crossover. On a parlé de thèmes en pile, c'est aussi pour qu'ils aient tel diaspora crossover. Donc, moi, je pense que l'Angleterre, c'est un espace qui est disponible pour la musique haïtienne, notamment le combat direct. À arriver crossover ça. Donc nous là, nous allons faire cette enquête nous sur ça tout. Qu'on pas il y a plusieurs sous-genres, nous capables de dire. Nous allons regarder peut-être qui forme qu'on pas direct qui est capable d'atterrir plus facilement la communauté anglaise. Yep. On a parlé de communauté haïtienne qui pas en pile. On a parlé de l'Angleterre, on a parlé quand même d'un gros espace. Et Londres d'une manière et particulière, il y a des millions de monde qui habitent à Londres et il y a un peu de confusion sur la quantité haïtien qui est bon ici. Il y a des gens qui parlent qu'au niveau de Londres, les Paris est 1000. Il y a tout le chiffre qui est avancé. Il y a des gens qui parlent de 3000 à 4000 pour tous les Royaumes-Unis. Ce qui est certain, la communauté haïtienne en Angleterre ou au Royaume-Uni, ce n'est pas une communauté nombreuse. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour nous. C'est évident, là nous parlons de grandes communautés pour nous capables d'imposer culture. Nous allons rencontrer des artistes, nous allons rencontrer des commerçants, nous allons rencontrer des organisateurs de soirées ou d'activités culturelles. Nous allons rencontrer également des gens qui ont la littérature, des gens qui ont l'écriture. Donc nous allons faire ensemble pour nous découvrir qui ça ferait nous à faire au niveau de l'Angleterre. Une façon de les encourager, une façon d'envoyer un signal également à la communauté haïtienne de partout, mais surtout au secteur culturel, qu'il y a des possibilités pour nous un peu partout à travers le monde. Pipo Saint-Louis, restez avec moi et je pense que vous allez apprendre et vous allez comprendre. À tout à l'heure. Southampton. Southampton sont ville côtière qui est située au sud de l'Angleterre. C'est une ville qui a une belle histoire. Il y a une population qui dépasse 250 000 personnes. Il y a une belle histoire. Il y a une histoire qui est triste. En effet, Southampton, c'est une ville, tant qu'on pile l'autre ville en Angleterre, qui a subi un pile attaque, un pile victime au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'autre fait particulier, c'est Vilsa que Titanic pour le faire premier voyage dit dernier voyage dit il y a un naufrage qui est historique dans l'histoire de l'humanité avec plus de 500 victimes. C'est une raison qui fait que un pile touristes sautent tout partout à travers le monde viennent visiter Vilsa, notamment viennent visiter le musée du Titanic. Et c'est la ville ça que nous menons là, je ne veux dire, pour nous rencontrer aux compatriotes haïtiens. Rounes Lofano, professeur d'école, professeur de langue, musicien et musicien de grand talent. Il y a un haïtien qui vraiment impliqué et qui vraiment imposé, nous sommes capables de dire, la vie anglaise là. Et qui c'est un monde important, la ville ça, Southampton. Nous allons rencontrer Rounes
Nous parlons la Kaili. Nous parlons faire connaissance avec elle. Nous parlons qui ça le cas utile et qui ça l'utile pays. Qui ça l'utile qu'il dit la Kaili. En Angleterre. Installé. Nous allons dire chez Bao. Nous allons regarder ensemble. C'est Renes Lofanor, mais non, artiste moi, c'est Renes BBY. Ça s'écrit BBWI. Et ma vie en Angleterre, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et avant ça, je vis en France. Et là, je suis quitté Haïti à l'âge de 10 ans. Et depuis que je suis arrivé en Angleterre, je trouvais que moi non, Kadim non, bol graisse moi pour m'utiliser expression, bon expression créole. Parce que me joindre opportunité pour me faire tout ça que me gagne envie fait sur le plan créativité artistique etc. Bagaille que me pas penser que me d'ab joindre ouverture pour me faire si me t'étais en France, voire même en Haïti, surtout dans l'état que pays est à Kounia. Comment intégration t'est faite de façon naturelle, beaucoup plus naturelle que ça me t'est pensé, que ça me t'est envisagé, notamment par rapport à préjugés que me t'est gagné, que me tendais au sujet de l'Angleterre et m'a fait allusion plus précisément à ça nous t'est conduit en football, les hooligans. Mais ma je n'ai pas de problème du tout. C'est professeur de ma travail dans mon collège-lycée, donc je fais cours pour élèves qui, de 6e à terminale, donc c'est philo, 6e à philo, et m'enseigner aux littératures anglaise, français et espagnol. Fait que ce dit, c'est professeur mien. Par contre, pratiquement chaque week-end, moi, je jouais avec divers groupes et artistes, même, et pas seulement en Angleterre, mais en Europe tout, parce que qu'on joigne gig, comme on dit, pour mal jouer en France, en Allemagne et ailleurs. En tant que gigueur, je ne pas appartenir à aucun groupe. Je travaille pour une agence de musique, musicien plutôt. Et les au besoin musicien pour jouer avec groupe A ou groupe B, peu importe côté lié, peu importe style de musique là, yo écrit. Et avec date là et puis sim disponible, il m'a dit est-ce qu'il est disponible pour telle date pour jouer tel endroit, sim disponible, il me dit oui. Donc à partir du moment où il me dit oui, il voye liste musique que me gain pour m'apprendre jouer, donc m'apprendre ça au lacay moi et puis ben, allez. Pour l'autre style de musique imposé là en Angleterre, c'est pour bail qui est facile. Ça fait donc plus de 20 ans que je suis dans le pays, 24 ans. Et beaucoup, deux fois seulement, vraiment, deux fois seulement que me tendons chanson française à la radio. Ok. Sinon, c'est uniquement anglophone. Sinon, pour t'attendre aux chansons françaises, aux chansons hindoues, de l'Inde, pakistanais, etc., c'est dans station radio spécialisée. Mais pas sous station radio, il n'y a pas passé sous station radio générale. Yo. Dans la ville côté Mauritania, ça fait un peu de pas gain ici. Sinon, dans l'autre ville proche, il y a deux Haïtiens que je connais, il y a Chef Daniel, qui est le premier Haïtien qui ouvrait un restaurant haïtien en Angleterre.
Donc c'est non l'autre ville qui a environ 40 minutes la machine vous êtes là donc monsieur a fait ville comme comme il faut et puis on l'autre partenaire sans mine cap travaille avec donc tous les deux travaillent ensemble dans le milieu là. Sinon l'autre haïtien que je connais c'est dans Londres même qui est et m'pa konn youn k'ap fè sans nous t'arrêler le travail de base besoin pour ça me connaît yo. OK. Radio et qui l'ont centre qui gagne plus que 80 années l'a desservi et communauté hein? Radio a lui-même gagne 22 ans son radio qui concevoir pour faire promotion musique africaine culture africaine et puis culture caribéenne ça veut dire que son espace qui est disponible pour haïtiens et il est très important que nous venions là une fois de plus pour nous renforcer les possibilités que artistes nous si vous venez sous marché ça, il y a de disponibilité qu'il a déjà et un setup qui fait déjà pour accueillir nous. Le tout c'est de chercher et de trouver les contacts. Donc nous là aujourd'hui à tout pour nous rencontrer avec Sia qui c'est une haïtienne qui a vécu en Angleterre depuis quelques années, son DJ mais qui également fait des émissions de radio. Donc là la station ça en Angleterre pour la première émission qu'on parlait qui présentée par une femme. Donc ces femmes-là nous parlent de votre jeudi à en plein travail dans l'espace là. On va se garder. On va regarder. Ok. Là, nous gagnons. Sia, bonne fortune de traverser. Bonjour. Ok. Donc nous parlons de chita. Nous allons parler avec Sia pour comprendre ça dans la tête. Et puis, je vais faire qu'on va marcher sous station Radio Sa. Bonjour, c'est Sasia, DJ Sasia. Donc, c'est un DJ salsa à la base, mais étant donné que je fais partie de l'équipe qui crée qu'on parle London, là, nous avons pensé que c'est une bonne idée pour nous vraiment faire tout ça capable pour nous pousser qu'on passe sous scène London. Donc, de ce fait, nous avons un Colorful Radio, côté que nous avons une première émission qu'on passe. En Angleterre, qui pour faire mon yo découvrir qu'on part en plus que de soirée que n'a fait de event que n'a fait, bah c'est très important que mon yo tende qu'on part tout. Donc nous très contents d'une possibilité ça avec Colorful Radio qui sont radio afro caribéen qui existe depuis 22 ans. Yo est maintenant toute Angleterre là et puis il a fait promotion musique africaine, musique caribéenne. Donc faut comparer là tout parce que il est important pour nous faire
moun yo découvrir musique ça. Donc nous bral gen premier show qu'on parle London qu'a fait dans radio ça, et son radio qui supportait en pile initiative tout en pile festival salsa, festival caribéen, festival africain. Donc c'est un son gros opportunité pour nous pousser compas là. Donc ça veut dire tout artiste yo m'a dit nous voyez musique pour nous, voyez live, voyez tout ça nous voulait depuis nous voulait le passer là la passer pour nous ca contacter nous dans Instagram compa London, just voyez message ba nous bien compa London @gmail.com et puis n'a ton musique nous yo et puis pour nous ca faire mon temps de nous là. Il pas facile dit tout pour jeunes haïtiens dans pays ça. T'assemblée nous pas plus que 1000. Mais n'a pas cherché. C'est pour ça nous là. Yo parle nous d'une femme qui quitte Haïti longtemps. Yo dit nous son femme vanya. Yo femme qui c'est petite Irlande avec Haïti. A pas fait facile, non, mais les arts. Depuis le tout petit, le bon ici. Mais il était attaché à ce saleté joint Haïti. Il était attaché à qu'il t'y la caille. Femme Zarelle Anne. Une bonne femme blanche. Elle n'est pas les créoles de courante. Il y a les pieds haïtiens. Parce qu'en pile dans nous, tellement remé la caille. Nous allons rencontrer Anne. On a regardé ça dans le Jacob. On a regardé qui ça a dit nous. Les haïtiens, bon, ici. C'est Anne McConnell et c'est haïtienne irlandaise parce que maman c'est une haïtienne littéralement Olga née Touyou et papa c'est Patrick McConnell et pas fait Haïti mais j'ai gagné 5 mois là et par tourné Haïti et quitté Haïti l'âge 9 ans qui fait en Grande-Bretagne depuis l'âge 9 ans. Même pas jamais oublié créole moi parce que maman toujours parlé nous en français à créole et grandi à ici mais yeah, pas jamais oublié Haïti parce que ça m'était mon petit genre colère pour genre injustice et contre Haïti et historique injustice et pays à tête en bas qu'on y est mais l'amour pour Haïti pas jamais perdu l'amour pour pays Haïti j'ai dit en pile bagaille mais et vraiment, ça qui est bien important pour nous dans la diaspora ici, c'est l'homme joue avec l'autre haïtien, on joue même l'amour ça, on joue même et colère ça, et monde qui voulait changer et gens qui ont Haïti en dehors. Okay. Fait partie d'un groupe qui est le Haitian Heritage Group. Alors, groupe ça, c'est plutôt culture et si pour nous célébrer richesse culturelle pays, musique, non seulement ça, mais date qui est important pour nous. Alors, 1er janvier, jour d'indépendance,
là nous prend soubjoumou et date ça important et 18 mai et fête drapeau et puis tout et fête guédé dans l'époque. Oui, alors il y a un problème important nous gain constater ici parce que ça fait longtemps depuis me fait participer dans différents groupes et dans un sens me fait partie de tout groupe toujours essayer présent dans n'importe quelle activité soit Haïti mais me constater que il y a un manque mes têtes ensemble sous certains bagages et quoi ça vient de historique nous our legacy hein ça veut dire et gagnons c'est un peuple traumatisé et nous voit ça dans diaspora mon haïtien gain habitude gourmet pour toute bagaille et tout le temps il gain pour prouver et valeur yo même pour yo même et ça ca met un manque de confiance en soi et un manque de confiance dans l'autre. Hello tout le monde, moi c'est Jean Benz. Je suis content ensemble avec nous. Je vis à London, je suis essayé de voir ça, je suis un haïtien natif natal. Et London, je ne suis pas connu, ça fait ça, c'est parce que je suis en ville pour plusieurs raisons. London, c'est un côté que lorsque je viens de joy, je suis passé dans n'importe quel club. Je suis sorti dans un club nigérien, je suis dans un club et n'importe quelle nation, par exemple, pour laisser n'importe qualité de musique. C'est une raison qui fait que moi aimer vivre dans ville ça moi aimer pays ça en pile pour diversité surtout pour ville de Bay London pour diversité et c'est une raison le fait que moi c'est un haïtien pas grand pile haïtien grand pile moi lorsque moi dit que c'est un haïtien que mien je vraiment choqué parce que le plus souvent ou du moins en pile moi rencontré yo pas vraiment rencontré haïtien et grand pile question qui compte tomber qui ça nous remet qui ça qui culture nous surtout pour 2 janvier qui gens ça atterrir etc. Donc c'est occasion pour moi pour parler en pile ensemble avec monde ça de Haïti de identité en tant que haïtien. Donc son ville que moi aimer son ville que me décider rester vivre là-dedans pour plusieurs raisons et une des raisons c'est parce que moi qu'à vivre identité en tant que haïtien. Il y a un bagage qui est un peu contre. Moi c'est un professionnel tout qui travaille à Londres, m'a travaillé avec une compagnie qui a une filiale de Londres mais headquarter à Allemagne, plus précisément Hamburg. Moi c'est un senior research analyst dans compagnie ça et que dans compagnie ça qui ça nous fait par exemple nous permettre mon joindre données côté on pas jamais penser que on joindre données nous conduit des projets pour des films qui est assez important que ce soit aux États-Unis que ce soit ici là dans la cour en United Kingdom ou du moins ça peut porter à l'Europe ou du moins ça n'a restaurant c'est Tiki Bar. Donc avoir boire décor là, son décor très haïtien, en pile peinture haïtienne, moi vin, moi de motifs vaudou et moi des couleurs très haïtiennes, m'a envie dit donc et vraiment l'entrer dans l'environnement ou vraiment l'environnement haïtien et c'est tout à l'honneur du propriétaire. Naturellement monsieur Agon double chapeau, c'est également l'un des responsables de la chambre du commerce. Haïtienne. Aïnou, Tiki Bar. Okay. C'est moi qui propriétaire espace là, mais c'est pour nous toutes. Et puis c'est haïtien, étranger. Okay. Ils ont tout welcome ici. Ok, ça fait combien de temps que ou en Angleterre? Moi en Angleterre, ça a fait presque 20 ans maintenant que je suis en Angleterre. J'ai quitté Haïti, j'étais à Paris, j'ai vécu à Paris avant, j'étudiais à Paris. Et puis bon, après, je suis venu ici pour apprendre l'anglais. Et par la suite, j'ai aimé le pays, je suis resté, j'ai poursuivi mes études ici. Okay. Et travaillé ici aussi, dans la finance. Okay.
Et puis voilà. Par contre, la Chambre du commerce s'est investie et beaucoup au niveau des activités culturelles. Nous participons au carnaval, Michael Bowen, tout ça. Mm-hmm. Donc rapidement, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Bien sûr, avec plaisir. Alors ça, c'est une des fiertés de la Chambre des commerces ces dernières années. Mm-hmm. Au point de vue des affaires, peut-être que ça ne va pas trop bien avec la situation, la crise qui est répétitive en Haïti. Mais au niveau culturel, il y a 2 ans de ça, et moi et mon collègue Michelet, on est parti voir les organisateurs du carnaval ici et on dit ouais, on aimerait savoir pourquoi est-ce que c'est possible que Haïti participe aussi au carnaval. Donc il fallait le voir, sa réaction. Il était tellement content, il tape tant d'Haïti et il connaît toute l'histoire d'Haïti et puis nous faisons presque une heure de temps à parler d'Haïti et puis il dit nous à bras ouverts, là contactez nous et puis il contacte nous effectivement quelques semaines après et puis nous effectivement Haïti a eu son heure de temps, 30 minutes pour participer au premier carnaval, pour la première fois au carnaval, officiellement au carnaval de Londres. On greet and meet qui nous organise tout, il faut dire aux gens qui étaient venus dans la salle là, ce n'est pas seulement Haïtien qui était venu. Okay. Soirée qu'on pas cap fait ici, ce n'est pas seulement Haïtien qui venu. Première soirée qu'on parle dont tu fait ici, si on va me dire qu'on a mis hier, il faut dire aux gens qui venu. Et on connaît, bon, Haïtien vini, yon vini tan dans le programme ça, mais premier monde qui était venu, pas qui était injecté là, yon campé, yon tan, puis yon prend coup compas. Ok, donc vous pensez qu'il y a une possibilité pour compas ici, pour Racine, pour Rabodaï, pour toutes gens? Pour toutes, parce que les plateformes ont déjà créé ici, hein. Nous avons une chambre de commerce, nous avons compas London qui a fait ça, nous avons l'autre communauté antillaise aussi qui est ici, tout qui a grandi tout. Moi, je pense que il y a un pilote musique déjà qui a évolué qui pas compas et qui pas nécessairement en anglais, que mon yo a enjoy de courir à Afrobeat, bon, bien que li en anglais nigérien, ghanéen, mais forcément anglais et européen, li pas vraiment comprendre ça y a dit la musique, mais you enjoy musique quand même. Donc, du point de vue compa, nous connaissons que compa te baigné sans azouk, yézouk, te vin baigné sans kizomba. Donc, gen en pile activité kizomba qu'a fait ici, hein, parce que gen pile moun qui sorti en Afrique, Angola, Cap Vert. Et moun sa yo présente culture yo avec musique yo, donc il y a un pile dans le programme sa yo qui fait. Donc, je pense que moun sa yo long sens, yo commence à faire travail là pour nous. Donc, je pense que oui, il y a une possibilité, peut-être un new look, disciple, moun sa yo, yo gen wa peut-être au fil du temps vini, mais pour le moment, moun sa yo qui connaît le peu de culture haïtienne, de musique haïtienne, nan, yo plus focus sur compa gouyad, de koubaye qui populaire yo. Ça yo les commercial compa yo. Donc ça yo, pour le moment, moun yo vraiment embrassé. Ok, là on a parlé de compa gouyad là, en tant que DJ, le wap joué, le fait qui est étranger. Est-ce que nous de musique, compa gouyad, de pour la gueule, tout le monde content, bagonne? Game music 5 là, featuring Tony Mix, ça yo remet ça en pile. Et puis il y a musique et par exemple Alan, bon il y a musique Alan Cave, il connaît Alan Cave en pile, il y a musique Impossible qui fait un peu de succès, il y a Felicia Ross tout, il y aurait même un pile de ici. OK. On a rencontré monde et travail la fête, c'est intéressant et tout haïtien ça yo quand même t'a bougé. Et une communauté qui part en pile, pour éviter encore une fois, par rapport à New York, par rapport à Canada, par rapport à Boston, par rapport à Chili, par rapport à Brésil, c'est aussi, c'est évident que c'est une communauté qui part, qui, par rapport à l'immensité de l'Angleterre, c'est pas encore une grande communauté. Mais quand même, nos dynamiques, monsieur, on a fait bagaille. Donc, j'ai avec moi Dieu donné, et n'a qui côté déjà Bon, je suis pour le prince, et puis, Nanor. Ok, donc pour le prince, c'est Cap-Haïtien. Ok, donc Dieudonné, c'est un grand homme d'affaires que lié en Angleterre, je dis bien un grand homme d'affaires, qui a une entreprise, qui a un paquet de monde qui travaille pour lui, qui est en réfrigération, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc Dieudonné, combien de temps vous gagnez ici pour arriver à faire ça? Bon, moi j'ai à peu près 23 ans, voilà 24 ans depuis que je suis venu ici. Okay. Depuis en 2000, je suis ici. Je travaille dans le métier, dans la réfrigération. Okay. Parlez-nous de l'entreprise. Comment l'entreprise est arrivée? Jack D. International Limited. Okay. Et parlez-nous de l'entreprise. C'est une entreprise qui a combien d'années, combien d'emplois vous avez? Et parce que j'aime tout le monde dit, parce que on est par là, tout le monde dit, monsieur, grand businessman, lui, go. Là, ici, on parle. Monsieur, chargez l'argent, monsieur. Je ne peux pas parler là. Ok. Donc,
Ou même expliquer qui j'ai entreprise ça fonctionner, qui j'ai faut pas parler d'entreprise. Bon, t'as coup de là, son compagnie a commencé depuis 2006. OK. Avait dit avant de commencer de travailler pour compagnie parce qu'il faut qu'on prend mille agents connaissance, expérience, parce que sans expérience on va pas rien. Et me dire des bon lecte t'as coup de gagner compagnie là, d'ap travailler pour l'alté bon oui, même tu étais pas gagner assez. Ça me t'ai voulu en battre, il était là, me dit bonne opportunité pour moi pour grandir tout. En Angleterre, nous avons trois types de compagnies. Okay. Nous avons small, medium et puis nous avons grand business. Okay. So, nous fait partie medium size business. OK. OK. So, de vous faire turnover de au la deuxième échelle. Oui, dans la deuxième échelle. Okay. Avait dit et pas pour m'a grandir plus toujours. Okay. Mais bon côté niveau sans trop confortable. OK. On pas juste OK. De clientèle ou c'est qui ça? En réfrigération. Dans réfrigération. Oh nous gagne hôtel, nous gagne restaurant, nous gagne hôtel, nous travaille pour on des gros compagnies tant que Pizza Hut. Même pas un peu dans McDonald's, même Tesco. Nous travaille pour Tesco. OK. Nous travaille pour Bojans, Subway, oh Tiki Bar. OK. Je m'appelle Isabelle Dupuis, je suis haïtienne, mais ça fait très longtemps que j'habite à Londres. Ça fait depuis 1998, ça va faire 25 ans que j'habite ici. Et j'ai commencé ici comme banquière, je suis venue ici comme employée de Merrill Lynch. Et maintenant, je suis écrivaine. Et je travaille ici au London Library, qui est une bibliothèque extraordinaire qui a 180 ans et qui est un centre pour créativité, écrivains et littérature à Londres et dans le monde anglo-saxon. Donc, c'est un exemple d'intégration d'une haïtienne dans ce pays. C'est ça. Mais vous êtes écrivaine et vous écrivez quoi? C'est romancière? Romancière. D'accord. Donc, j'ai publié un seul livre jusqu'à présent, mais je suis en train de terminer mon deuxième roman. Mon premier roman s'appelle Living the Dream. On peut le trouver partout chez les libraires et sur Amazon. Mon deuxième roman va s'appeler La Présidente et c'est basé sur la vie de Jout Lachenay. Qui était la femme de Alexandre Pétion et de Jean-Pierre Boyer. C'est un grand honneur pour moi d'avoir mon livre parmi des grands auteurs ici comme Alexandre Dumas et autres grands auteurs anglais et français et de tous les pays qui sont ici en anglais. Donc la couverture n'est plus là parce que c'est une copie de bibliothèque. D'accord. Donc mais voici mon premier roman. Allez, là, nous sommes dans le train en direction de Leeds. Leeds, c'est une ville britannique, bien sûr, située dans le nord de l'Angleterre. Il y a 2 heures de temps de Londres. Donc, nous avons 2 heures de trajet pour nous arriver dans la ville, ça, qui a une population de 790 000 et plus d'habitants. Et je vous rappelle que c'est la troisième ville d'Angleterre, une ville qui est réputée pour la qualité de ces universités. Donc c'est dans cette ville que nous nous rendons pour aller rencontrer une haïtienne dont on nous a dit le plus grand bien. Et je dis nous que son intellectuel, son femme qui investit en pile le combat pour qu'il tient haïtienne là, au niveau de l'Angleterre. Donc nous allons lier connaissance avec ce personnage, essayer de la connaître et pourquoi pas ensemble garder qui utilité le gain pour haïtien un peu partout à travers le monde pour l'image d'Haïti et surtout pour la communauté haïtienne qui évolue en Grande-Bretagne. Non, pas c'est Guylaine Boutis et je fais au CAP, l'hôpital Justinien. Je grandis dans Zultuc, Turks and Caicos, depuis à l'âge de 2 ans. Et me fait études moi aux États-Unis avec en Angleterre côté me vivre dans moment ça et maîtrise moi était dans migration avec développement et
ça me fait dans un moment ça me travaille avec une organisation qui me forme et puis je travaille avec jeune petit monde qui vient ici pour venir étudier et m'aider aux jeunes pièces passeport citoyenneté bah ça yo et me commence à me grandir pour m'entrer dans visa international visa et pour aider les international et entrer dans l'université. À part de ça, je commence à faire guédé et UK, qui c'est la première fois que faire guédé commencer en Angleterre. L'année passée, elle était vraiment bon et puis je souhaitais pour faire année ça. Est-ce que vous avez un peu de timon haïtien que vous aidez tout? Oui, un peu plus fort dans mon yo que m'aider, c'est haïtien qui fait dans une tuc, Turks and Caicos, ou haïtien qui fait l'autre bois, qui vient gagner et citoyenneté l'autre bois, qui voulait venir étudier ici. Ok. Aidez-vous là qui ça sert? So là où gagne citoyenneté l'autre bois ça pas nécessairement veut dire ou gagne citoyenneté Angleterre. So gagne des processus ou besoin faire pour ca changer passeport pour un passeport en Angleterre. Et puis sous gagne passeport l'autre bois ça pas veut dire ou gagne droit pour venir vivre ici à, ou aller l'école ici. À. So là où venir ou besoin établir tout pour ca changer tout dossier ou besoin changer pour ca gagne accès d'éducation avec santé avec l'autre pays institution qui est là okay. Pays. Selon un pile monde que nous parlons et Leeds c'est le côté qui est plus haïtien est-ce que vous pouvez confirmer ça? Yes et mais c'est une différente génération même j'aime dire c'est une génération qui grandit dehors de Haïti et mais... qui fait dehors de Haïti je suspecte c'est parce que et nous venons là, l'île c'est le premier côté en pile dans nous venons. So, pour nous, il y a un sens de communauté en pile dans nous venons côté nous jeunes amis, yo, côté nous reconnaître le monde. Parce qu'il y a plus de pays étrangers, il est plus facile pour nous vivre côté nous reconnaître le monde tant pour nous aller dans côté nous baguer l'autre monde. Est-ce qu'on a une idée de quantité haïtienne qui est là? Une idée? Oh non! Je ne peux pas vraiment avoir une idée de. Je cherche pour moi et je fais une calculation avec mon aide, avec une autre dame qui aide, avec Kai, pour moi vraiment quantité. Mais c'est difficile parce que même si j'ai des gens qui viennent côté nous, il y a des gens qui allent dans l'autre zone qui juste vivent via eux, qui allent dans l'université sans que l'autre monde ne pas connaître. So la difficile si nous pas former un groupe nous essayé former un groupe déjà mais grand pile monde qui t'a aimé vivre indépendant et des communautés so li difficile pour nous quantité moi me ka di li pou pour non 3000 ba quand près 2000 OK yeah, li vraiment difficile parce que nous pas en pile dans sens ça génération pas en pile dans sens ça me pense li moins que il moins que 1000 monde. OK. Et jeune monde. OK, mais là qui domaine d'activité qu'a dit que et haïtien ça vous mène tête au plus. Mais qui domaine d'activité? Et éducation. Yo vini pour l'école parce que en toute chose, il faut considérer la fin, c'est la phrase magique. Un grand plaisir pour te présenter nos montagnes ça, qui a nous quand même une petite idée de qui j'en sais pour haïtiens au niveau de l'Angleterre. Nous avons rencontré des artistes, nous avons rencontré des ouvriers, nous avons rencontré des entrepreneurs, des femmes d'affaires, nous pratiquement rencontré tout le monde. Ce qui est certain, c'est que en guise de conclusion, c'est que on est capable de dire que il y a une communauté, il y a des haïtiens ici qui se débrouillent assez bien et qui intègrent assez facilement à ce système. Le message, c'est arriver à montrer un peu partout à travers le monde implication haïtienne, utilité haïtienne dans différentes communautés
que vous intégrez. Et puis son message positif pour les jeunes. Nous rendons compte que il y a un pile monde, un peu partout à travers le monde, qui arrive à faire des bagages qui sont fabuleux. Et puis vous avez une ligne droite, vous avez une ligne travail dur, vous avez une ligne respect, vous avez une ligne dignité. Et surtout, vous n'avez pas perdu l'authenticité. Donc c'était Pipo Saint-Louis pour Alternative Plus, Alternative Sans Complexe, pour ce reportage autour de l'intégration des Haïtiens au niveau de l'Angleterre et également des possibilités pour la musique haïtienne d'une manière générale de se faire une petite place dans un milieu cosmopolite tant que l'Angleterre. Pipo Saint-Louis, à bientôt pour notre prochain reportage.